Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Une poignée de main entre Sa Majesté Adanyolo Agasa Gedengue et l'honorable Dakpé Sossou pour sceller le lien des préparatifs de la célébration de la fête du 10 janvier devant cette tête couronnée et dignité du culte vaudou du département du Mono. La fête des religions endogènes, dont Sa Majesté Sossa Gedengue à Gbologozo en est le précurseur, a une grande portée pour le gouvernement du nouveau départ et la présence du député Dakpé Sossou aux côtés de ces garants de la tradition n'en demeure pas moins. Et cette fois-ci, je suis arrivé pour préparer avec eux, avec tous les adeptes vaudous, les dignitaires, les responsables à divers niveaux de la hiérarchie vaudou, la célébration prochaine de la fête du 10 janvier qui s'annonce déjà dans 2 jours. Le leader politique du parti Union progressiste dans la 18e circonscription électorale a exhorté les uns et les autres de prier pour le chef de l'État, Patrice Talon. Mais c'est tout à fait normal que les vaudous, vaudoussi, les dignitaires de vaudou, comme les autres religions modernes, prient pour le chef de l'État, prient pour que ce pays reste en paix. Parce que notre racine ici, c'est le vaudou. Nous voulons fêter pour nos ancêtres. Je prie que ces prières soient acceptées et c'est déjà accepté. Et nous allons fêter dans la joie et je crois que cette année sera une année spéciale. Le président de la Communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, Sa Majesté Adanyolo Agasa Gedengue, se confond en remerciements. Nous remercions beaucoup le chef d'État pour le geste qu'il nous fait chaque année. Il sait que c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Que Dieu et les membres de nos ancêtres le gardent sa femme et ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Dans les couvents vaudous, les divinités sont déjà en état de veille. Des sacrifices et d'autres rituels spécifiques leur seront accordés le jeudi et vendredi prochains.